Yo tout le monde, c'est Erwan en direct de LA. Donc j'ai une grande passion dans la vie, c'est les sneakers. Et aujourd'hui je vais vous emmener dans la meilleure rue de Los Angeles. Ça s'appelle Melrose Avenue. Et c'est ici qu'il y a les plus grandes boutiques de sneakers, vraiment de hypebeast. Et c'est l'endroit rêvé pour acheter tout ce qui est sneakers, Off-White, enfin toutes les grandes marques. Donc je vais essayer de trouver une petite paire à acheter, pourquoi pas. Et faire découvrir un petit peu la culture vraiment street et des sneakers de Los Angeles. C'est parti. But I keep it at home and I can't mess with bros cause they doing the most. Man, I met so much niggas that ask for the most. Met so much niggas that claimed I was broke. Yeah, no controlling me. I put that on my life, you ain't folding me. Donc je viens de sortir de Cool Kicks, malheureusement il n'y avait pas ma taille pour les chaussures que je recherchais. Donc j'ai pu vous faire quelques plans quand même que vous appréciez. Donc on va passer au deuxième magasin, je crois qu'il est juste au bout de la rue. Et on va voir ce que ça donne. En gros pour les connaisseurs, je recherche une paire de Off-White Waffle White size 11-5 féminine, parce que c'est cette chaussure féminine de base. Et bah on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Je crois que c'est au deuxième bout de la boutique de Cool Kicks, mais malheureusement encore une fois il n'y avait pas ma taille. Mais vraiment c'est un magasin super cool ici. En plus les vendeurs ils sont vraiment super géniaux ici, vraiment c'est un endroit super super bien. Les prix sont vachement pas élevés par rapport au marché et par rapport à d'autres magasins qu'on peut avoir sur Los Angeles. Mais vraiment c'est un endroit super cool, donc je vais essayer d'aller voir dans un troisième store si je peux trouver ma paire. Thank you guys. Malheureusement la paire que je veux elle est vraiment pas mal sold out. Du coup ils m'ont donné une indication d'aller dans le magasin Undefeated. On va essayer de voir si ça se peut se trouver. Donc là je vais marcher encore pendant bien une vingtaine, trentaine de minutes pour voir ce que ça donne. Du coup là je sors de la deuxième boutique de Cool Kicks. Malheureusement encore une fois il n'y a pas mal de taille. Ils m'ont recommandé d'aller dans une autre boutique. Donc là je suis vraiment sur Fairfax Avenue. C'est là vraiment une des plus grosses rues. C'est là où il y a Supreme, où il y a Ape, il y a vraiment des très grosses marques. Et je sais qu'il y a pas mal de magasins de sneakers. Donc je vais aller voir si je peux quand même trouver un taille, ce serait pas mal. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que ces deux rues là c'est vraiment pour moi les plus connues et les plus un petit peu surcotées de Los Angeles par rapport à la sneakers. C'est Melrose et Fairfax. C'est deux vraiment rues qui se coupent. Et c'est là où vous pouvez trouver vraiment tout ce qu'il vous faut en hypebeast. Vraiment il y a du Off-White, il y a du Supreme, il y a vraiment toutes les grandes marques, toutes les grandes collaborations. Donc là je vais essayer d'aller voir. Je sais qu'il y a 3 boutiques de sneakers sur cette rue. Donc on va voir ce que ça donne. C'est pas mal de trouver ma paire quand même. Il faut savoir sur le marché de la sneaker, c'est que c'est un business monstrueux à plus de 20 milliards de dollars. C'est vraiment quelque chose qui fait vivre des centaines, des milliers de personnes sur Los Angeles. Il y a des petits revendeurs comme moi, des fois, dès que j'arrive à avoir quelques paires, bah, j'aime bien on va dire, faire mon petit bénéf, faire mon petit 400-500 dollars sur une paire si je peux. Mais il y a des grands groupes comme Cool Kicks. Son créateur il a 28 ans, il a commencé vraiment dans le garage de ses parents il y a quelques années. Et de fil en aiguille il a acheté, il a vendu, il a fait son propre on va dire empire. Et à l'heure actuelle il a 3 boutiques sur Los Angeles, il en a 2 sur Melrose, 1 sur Sears, sur la 3ème rue de Santa Monica. Là où il y a tous les petits stores et c'est vraiment, c'est un business qui a l'avantage de... C'est pas blindé, même si vous débutez dans ce genre de business là, vous pouvez toujours faire votre place, faire votre billet, c'est vraiment quelque chose de super cool. Donc là je vais arriver à Fight Club, on va essayer de voir si j'arrive à transformer ma paire. C'est vraiment pas mal parce que j'ai déjà marché pendant quand même une vingtaine de minutes. Et ce serait pas mal ouais, si je pouvais vraiment trouver ça. Donc là on va arriver dans Fight Club, c'est vraiment complètement mal. Pareil, ce qu'il faut savoir aussi c'est que Fight Club c'est un grand groupe, donc les prix vont être vachement élevés. Donc ça je vais faire tous les magasins de Fairfax et on va voir ce que ça donne. Je m'attends pas trop à des grandes surprises à Fight Club. Les prix sont généralement très très élevés dans cette boutique là. Mais on sait jamais, hein, peut-être que je vais avoir un petit peu de chance aujourd'hui. Je savais pas d'un j'en ai trouvé. Donc ça y est, après 3 stores, je les ai enfin eu.
Je vais faire un petit opening, ouais, j'avance juste un petit peu, je devrais être dans une rue où il n'y a pas trop, grand, pas trop de monde. Et voilà, je vais vous montrer ça. Par contre, je suis content de moi, vraiment. Il n'y a pas beaucoup de gens qui les aiment, ces paires-là, mais moi, je les trouve vraiment super belles. Regardez-moi. Off-white. Ah, j'adore vraiment, elles sont magnifiques. On est sur une belle paire, là. Ouais. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Je les trouve vraiment super cool, celles-là, vraiment. Elles sont vraiment originales et vraiment, j'aime bien ça. Ouais, je vais remettre ça là-dedans. Donc, ça y est, j'ai enfin mes paires de chaussures. Je suis content. Donc désolé, c'était vraiment un petit vlog vraiment pour vous faire découvrir un petit peu l'univers sneakers. Et vraiment, voilà, franchement j'espère que ça vous aura plu. Donc en tout cas j'espère que vous aurez bien aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. Et peut-être qu'à 500 abonnés, je pourrais gagner une paire de Off-White ou une autre paire de chaussures au choix. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à faire tourner. Et à plus tard sur Los Angeles.